Bah bravo Antoine, hein. 4 mois sans sortir de vidéo et t'arrives là, comme une fleur, tranquille, sans pression. Écoutez mes petits sportifs, ceci est une introduction à l'introduction de la vidéo, elle n'a rien à voir avec le contenu. Voilà, j'ai été absent un moment, et on a quand même tourné cette vidéo en décembre, et on est en juin. Ça fait quasiment 7 mois. Ça fait 7 mois qu'on a tourné cette vidéo, ça fait 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne YouTube. Il y a eu pas mal de changements ces derniers mois dans ma vie, du coup j'ai dû un peu mettre tout ça en stand-by. Mais j'avais quand même un message important à vous dire. Voilà, 4 mois sans sortir de vidéo, mais il y a toujours des gens qui continuent à s'abonner, on est bientôt 1500. Et ça fait vraiment plaisir, c'est... Je comprends pas parce que je sors rien et des gens continuent à s'abonner, du coup voilà, je voulais juste vous dire merci, bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent de jour en jour. J'espère que la vidéo va vous plaire, je vous laisse avec ça et puis on se retrouve à la fin. Mes petits sportifs, bonjour, bienvenue dans ce nouvelle vidéo challenge. Alors aujourd'hui, on est encore dans le Nord-Pas-de-Calais. Et pour ce challenge, on a un invité d'honneur, Jean-Charles, de la chaîne YouTube La Route du Trail. Et voilà, ah, ça roule? Ouais, super. Alors Jean-Charles, t'as 15 secondes pour te présenter et présenter ta chaîne YouTube. Jean-Charles Arbonnier, 29 ans, ultra-trailer de renom internationalement pas connu. Chaîne YouTube La Route du Trail, où je fais toutes mes vidéos d'ultra-trail, donc vous pouvez nous suivre éventuellement sur toutes ces aventures. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à un jeu con, un jeu très très con. On est dans le bassin minier avec un maximum de terry, un maximum de plaisir, un maximum de fun. On va essayer d'enchaîner le maximum de terry en une journée. Alors les règles, on a une liste de terry, on va se rendre de terry en terry, mais pour savoir combien de montées on fait, on a un petit instrument qui s'appelle un dé. On va d'abord prendre deux personnes d'entre nous qui vont faire un chifomi pour savoir qui lance le dé. Voilà, c'est tout. Alors attends, un terry, qu'est-ce que c'est? Ah, on l'a déjà dit dans une vidéo, mais un terry, ce sont des résidus miniers. C'est ça, hein? C'est ça, c'est ouais. Les résidus d'extraction du charbon qui n'est pas du charbon. Voilà. Aujourd'hui, on est également avec mon copain Rémi qui tient la lumière. Voilà. On peut le filmer, ce beau gosse. T'as 5 secondes pour se présenter. Salut Rémi, champion du monde de Shifumi. Et Valentin derrière la caméra qui nous aide à filmer. Je mettrai toutes les informations de sa page Facebook Droney Drone dans laquelle il fait du drone, vous l'aurez compris. Donc, premier Terry Dochel, premier Shifumi entre Jean-Charles et Rémi. C'est parti, let's go. Shifumi. Ah, ah, la chance du débutant. Trop de responsabilité là. Oh putain! Oh. Allez, on est content. On est 5 fois. Bon, on est parti. Premier terry, 5 côtes. Ça commence à pitonner là. Ah, l'objectif aussi de la vidéo, c'est de faire un maximum de dénivelé dans le Nord-Pas-de-Calais. Du coup, les seuls monts qui existent, bah, c'est les terry. Donc voilà, qui est content? Je vais faire encore une bonne grosse vidéo de merde. C'est nous. Allez, plus de 4. Il y a 2 jours, j'ai fait le GPS Rowing dans Strasbourg. J'ai mal aux jambes déjà. Je propose qu'on change les règles. On limite le dé à 1 ou 2. Ça va être long, 5 en fait. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est... on fait 5 montées. Mais là, on est 3, donc on a déjà fait 6 montées. Ah putain, c'est pas con ça. Ah, on peut faire ça, ouais. En bas. Bon, allez, 3ème. Ouais, on va changer les règles après, parce que c'est trop dur. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il n'y en reste que 2. La mauvaise, c'est que le terry fait 70 mètres de dénive, donc on aura déjà fait 350 mètres de dénive là, sur un terry. On va mourir ce soir, je crois. Priorité à droite, c'est nous. Bon Jean-Charles, t'en as pensé quoi de ce premier terry? Ça décrasse. Bon, on a revu un peu les règles, parce que là, si on en fait à chaque fois 5 ou 6, ça va être trop long, on n'aura pas le temps de tout faire. Si on fait 1 ou 2 OD, on fait une ou deux montées tous ensemble, mais au-delà de 3, on se fait un relais. Ce sera un effort de groupe. Voilà. On sera groupés, soudés, jusqu'à la muerte. Allez, on se retrouve pour le deuxième terry. Bon, à la vue de ce panneau, chasse lundi, samedi, on va éviter d'aller sur ce terry de la Louvière. Donc on va directement au terry numéro 3.
Oh non mais non, on fait juste un. Là attends mais on fait un Shifumi. Ah pas un truc sympa hein. Oui. Yeah. Oh les gars, j'ai pas envie là. Alors on dit toujours une côte c'est impressionnant de loin, mais une fois que tu y es ça va. C'est parti. On est là, on fait ça, on monte ici, on descend, on remonte et on redescend. Parce que Rémi, il a fait un OD, du coup c'est cool, du coup on en fait qu'une fois. Allez feu. Celui-là c'est 6 fois. Hein. Putain merci Rémi. Wouh. Oh. Ça va les cuissons? Ah c'est dur. En fait il est aussi impressionnant en bas qu'en haut. Hein. Putain c'est beau là. Oh la cheville, elle est pas passée loin. Allez, le soleil, ça fait plaisir. Ça c'est mon pays ça. Allez. Deuxième côte. Bah c'était bien, les descentes sur les terris, bien que ça devrait. Allez j'y vais. Tiens. Putain y'a des ronces. Man versus wild. Bon on a rechangé les règles, c'est trop... on va pas avoir le temps de faire tout. Donc en fait on en fait qu'un à chaque fois maintenant. Ouh les losers. Tu veux le lancer quand même? Ouais je veux voir si on fait un encore. Terry de Neulémine, c'est le Terry où il y a une piste de ski dessus, sans blague. On a fait 4 OD, on est 4, donc on le fait une fois chacun. Non, non, non. Bah c'était bien. Ah voilà. Yeah. Ça va gros? Vive-moi les frites. C'est le cinquième Terry, on a fait un OD. C'est le cinquième. Oh, attends, je sais plus. Tu fais ça, tu montes là, tu viens là, tu redescends ici. Et après tu remontes là, mais moi je peux là. Les deux Terry de Los Angeles, plus haut Terry d'Europe, 188 mètres c'est ça? On apprécie, et là on est à combien? 61? Attends, c'est plus de 100 mètres de dénivelé. Et on voit le Fat Boulard en haut. C'est quoi de ta journée? Oh, je suis monté, je suis descendu.
toujours moi le dernier. Ils sont trop forts. Terry numéro je sais pas combien, Terry de Hénin Est, qui s'appelle le Terry Saint-Henriette. Alors là il pique, hein. Il pique cote, hein. Ah le cookie il m'a fait du bien là. Un peu super rapide. Valentin, assistant vidéo, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Ouais, aussi, il faut suivre hein, les gaillards là, ça monte, ça se dénive. 25 mètres d'altitude, à combien on sera là-haut? C'est chaud, quoi. Allez. C'est n'importe quoi cette vidéo. Qui a eu l'idée de faire cette vidéo là? Qui dit vidéo dans le Nord-Pas-de-Calais dit forcément tuning et une bonne grosse frite comme on les aime. Quand même. On apprécie. Baraque à frites. La baraque à frites. Ah, bah on va éliminer tout ça. Hein. Terry de Wani. On lance le dé. Allez, je te laisse lancer le dé. Allez. Oh non. Bon allez, attends, mais pour le geste, on le refait. Oh, non, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un joker si jamais on a 6 tout à l'heure et qu'on a vraiment la flemme. Ah, 3. 3, bon, c'est bien. 3, c'est raisonnable. C'est où la montée? C'est un peu. Faut faire le tour du lac. Oh, ça caille. Allez, c'est parti pour 3 montées. C'est cool ce challenge, il est bien, il fait plaisir, il est complètement intelligent. Quel est le con qui a eu l'idée de ce défi quoi? Qui est le con qui a accepté de suivre? Troisième montée, c'est bien. Et voilà, neuvième Terry de fini, on part sur le dixième. Et voilà, Austricourt, ville. Village de grande renommée dans le Nord-Pas-de-Calais. On va attendre Rémi, il est parti chez son frère, donc on va avoir une assistance supplémentaire. Et ça fait plaisir. Donc c'est Xavier, son frère, qui va lancer le dé. Oh. Hey, il est là Xavier. Xavier, t'as 5 secondes pour te présenter. Salut, moi c'est Xavier. Fini. Voilà. Xavier, tu as une tâche lourde. Attends, ouais, sur le toit de la bagnole, c'est bien. Allez, 6 Ah 4. Bon bah il a fait... Oh bâtard. Bon il a fait 4, on est 4. Ouais, on s'arrange comme on peut. Hein. Une montée chacun. Attention la vitre qui va casser. 300 euros de franchise. Hein. Oh. Et les gars j'annonce, mais faut me croire, hein. C'est tout droit. Non mais c'est vraiment tout droit, genre c'est comme ça. Oh la chèvre. Le mieux ça va être la descente. Non mais il est pas haut. Oh j'ai pas tant. Je vais redescendre, j'ai oublié de démarrer le chrono. Oh le con, j'ai pas démarré le chrono. Oh putain, je redescends. Vous voyez ce que je dois faire pour vous? On est en bas du Terry, 22 mètres d'altitude. Putain, ils sont déjà là-haut, je les rattrape. Ha ha ha!
Bon les gars, plus que deux Terry. Là c'était quoi Terry de... C'était quoi celui-là? Ostricourt. Terry d'Ostricourt, check. Oh je vais faire un petit V qui va apparaître à l'écran. Terry d'Ostricourt, check. Oh ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Bon on a fait deux OD, donc on la monte deux fois, ce sont les règles. Ah je commence à être KO là. Eh, vous avez pas mal aux jambes en fait. Deuxième montée. Encore dernier, parfait. Ok, deuxième montée effectuée. On part sur le dernier terri de la journée. Rovarendin. Théo Radondi, France. Bon Xavier, il m'a expliqué une règle du jeu pour définir combien de montées on allait faire. Non mais à chaque fois on joue et chacun notre tour c'est pour 6. Ok, donc là par exemple c'est ton tour, si on dit le même nombre c'est pour toi les 6. Après on rejoue et si c'est moi c'est pour moi les 6. Non non, c'est 6, 6, 5, 5, 4, 4. Ouais, 6, 6, 5, 5. Là je prends aussi. 1, 2, 3, 4. Ok, pour toi 5. 1, 2, 3, 5. Pour moi 5. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Pour moi 4. 1, 2, 3, 2. Oh yes! Il doit faire 4. Ok, on lance le dé. Mais ça fait t'en faire en plus, ça fait 4 en plus que nous. Hein. Non mais là, attends, là t'en fais 4. Ouais, tout seul. J'en fais 4 et vous là vous en faites, je m'accompagne. Okay, okay. Ah ouais, donc si on en fait 4, en fait on en fait 4 tous les 4. Ouais. Attends, mais nous on a un joker de tout à l'heure. On a un joker, on pourrait claquer notre joker. Je jette par terre. Ouais. Oh 6! Oh non! C'est 4. Bon bah on en fait 4 tous. Tout le monde en fait 4. Bon je sais pas si vous avez compris mais là du coup avec le jeu de Xavier plus le jeu de dés, et ben on part pour 4 montées chacun. Là ça va être cool là, 4 montées chacun, parce que Rose c'est quand même long. Hein. Première montée. J'en ai déjà marre, je vous jure. Ah ouais je jure, je suis sec. Non je suis pas sec. Vivement le foot là. Ah, vivement qu'on rentre à la voiture. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, les gars? Une journée normale, ordinaire, quoi. C'était assez marrant de jouer au jeu. Surtout la quatrième montée, j'ai vraiment adoré. Eh ben, on met ça en juin, mais on fait vraiment tout. Ouais, non, mais on peut tous les faire, mais une fois. Une fois, on fait ça en juin. Allez, rendez-vous en juin, quand on pourra se lever à 4h. Et finir à 22h. Ok mes petits sportifs, on vient de finir les 4 montées. Non en vérité on en a fait qu'une parce qu'on était vraiment tous KO. On a fini de nuit en plus, on n'avait pas de frontal. Merci beaucoup Jean-Charles qui est juste là. Alors écarte-toi parce qu'on voit quoi. Ah pardon, voilà. Attends, je suis en mode de hooligan. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Et puis joyeux Noël. Non ça sortira après Noël donc c'est... Bonne année. Je fais notre conclusion je crois. J'ai vraiment dit joyeux Noël là? Mais gros, on est en juin. Eh bien mes petits sportifs, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, premièrement. Des conneries sportives comme ça, j'en ai plein d'autres à faire, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, peut-être pas dans 6 mois, peut-être avant. Merci beaucoup à Jean-Charles de la Route du Trail d'avoir accepté ce défi. C'était vraiment top d'être avec lui pour ce challenge, en plus ça correspond tout à fait à sa chaîne YouTube, donc c'était le personnage adéquat. Merci beaucoup à Valentin de Drone Drone, pareil, c'est dans la description, allez voir ce qu'il fait, c'est incroyable. Merci à Rémi et à Xavier d'avoir été là en soutien et puis d'avoir déconné, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, j'ai d'autres idées de conneries sportives comme ça. Je sais pas quand je vais les faire. Pour l'instant, je pense plus à faire du sport qu'à filmer du sport. Voilà, au moins c'est dit. Mais ça veut pas dire que je stoppe cette chaîne YouTube. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Non, je n'arrête pas cette chaîne. J'ai des contacts avec d'autres sportifs. J'ai peut-être des choses qui vont arriver, mais c'est juste que je me concentre sur d'autres choses maintenant. J'ai besoin de faire une petite pause. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère que les épisodes vous manquent pas trop. Dites-moi que ça vous... Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à parler de cette chaîne YouTube autour de vous, hein, que les gens continuent à s'abonner. Objectif 100 000, on l'oublie pas. Pas plus, hein. Pas plus de 100 000, hein. Faut pas déconner. Hein. Un petit like, un petit commentaire. Je vous laisse. J'espère que vous allez passer une bonne journée. J'espère que ça vous a motivé à faire du sport, parce que c'est quand même ça un peu le but aussi de cette chaîne. N'oubliez pas, vive le sport, mais le plus... Ouais, j'en ai marre de finir avec cette phrase là. C'est important de se faire plaisir dans le sport, c'est important, on le sait, mais on l'a quand même dit beaucoup. J'ai envie de changer un peu là, tu vois, j'ai envie de trouver quelque chose d'autre. Et si dans chaque vidéo désormais je mettais les paroles d'une musique? Vous pouvez essayer. Vive le sport, faites-vous plaisir, ça c'est important, mais le plus important, c'est nous le premier coup de fusil qui sème la zizanie. C'est nous le premier coup de fusil qui sème la zizanie. 9.3 sur cette frontière Algérie-Mali. Tiens de sauver ma vie, perdu entre les Mexicains, d'autres tacos et les mafieux d'apport.